Alors pour Ardennes Café, on est avec Marine, des ateliers de Marine. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais en général ? Oui, alors bonjour. Donc j'ai créé les ateliers de Marine en décembre. Donc je suis une ancienne animatrice, j'ai travaillé pendant 10 ans avec les enfants. Ça me manquait énormément. Et comme j'ai été cosplayeuse aussi pendant 9 ans, je me suis décidée d'associer mes deux expériences et de créer les ateliers de Marine. Donc les ateliers de Marine, c'est quoi ? J'interviens sur les anniversaires, aussi dans les mariages pour garder les enfants. Je propose un panel d'activités comme la couture, les arts créatifs, la fabrication d'objets. Et je m'adapte vraiment à la demande des parents et des enfants en proposant des forfaits sur mesure. D'accord. Alors moi j'ai su, dans pas longtemps, tu seras à Plume et Bulle par exemple pour un atelier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. Donc il y a un partenariat qui est en train de se faire avec Plume et Bulle. Donc je vais proposer un premier atelier FIMO, donc c'est de la pâte polymère qu'on cuit au four, sur le thème geek. Donc notamment Mario par exemple, ou les enfants petits et grands, parce que ça sera ouvert on va dire de 6 ans jusqu'à 14 ans, pourront confectionner des porte-clés, des bijoux sur ce thème. D'accord. Alors tu nous as dit que tu étais cosplayeuse, comment cette passion t'est venue tout simplement ? Bah, j'ai toujours aimé les costumes, les paillettes. Donc un jour je me suis lancée, j'avais toujours eu l'envie de coudre en fait, et j'ai pris une machine, je me suis lancée, sans cours, sans rien. J'ai fait ma première scène, c'était Animest, et c'est devenu une grosse passion, et voilà, j'ai fait ça pendant presque 9 ans. Est-ce que tu as des personnages préférés ou qui reviennent assez régulièrement, les enfants du monde par exemple ? Alors par exemple, oui, c'est beaucoup les princesses Disney qui fonctionnent très bien. C'est vraiment la Reine des Neiges, elle fait un carton en ce moment. Alors, c'est pas que pour les filles, hein. Tu fais aussi pour les garçons. Tout à fait, donc je propose aussi des thèmes plus génériques comme pirates, cow-boys, indiens. J'ai Ladybug qui vient de sortir, j'ai du Harry Potter aussi, et vraiment je m'adapte à tout type de public, tout âge, et que ce soit filles ou garçons. C'est beaucoup.